Laval 18e avait un match capital à jouer face à Bastia 4e. Une rencontre à gagner absolument pour se relancer en vue du maintien. Le promu a pu compter sur un joueur en grande forme, Simon Elissor. À 23 ans, Elissor est arrivé à Laval l'hiver dernier, prêté par le club belge de Seraing. Depuis le mois de janvier, il s'illustre. Ce geste technique superbe pour reprendre un centre d'Adeoti lui permet de marquer le premier but du match. Il lance parfaitement son équipe vers un succès capital. Après avoir joué à l'AC Ajaccio et avoir marqué 17 buts lors d'une saison avec Villefranche, Elissor se montre à la hauteur dans cette fin de saison. Il obtient un pénalty qu'il transforme lui-même pour s'offrir ses 5e et 6e buts de la saison. Ça lui en fait 4 sur les 3 derniers matchs. Avec 2 passes décisives en plus, Elissor pèse sur les résultats des Tangos. Le promu peut un peu plus espérer le maintien avec ce genre de prestation. Après 7 défaites, Laval vient d'obtenir 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Il reste à affronter Saint-Étienne, Bordeaux, Nîmes et Amiens pour rester en Ligue 2 BKT.